الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لنراجع باب نواقض الوضوء alors qu'on revise le chapitre ce qui annule la petite ablution. نواقض الوضوء أربعة أشياء. Il a dit selon l'imam Shafi'i, les choses qui annulent le wudu sont quatre choses. الخارج من قبل أو دبر, tout ce qui sort de deux orifices inférieurs, القبل والدبر, معتادا كان كالبول والغائط والريح, أو غير معتاد كالحصى, qui soit habituel comme l'urine, le sel, les gaz, ou inhabituel comme un caillou par exemple. إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء وإن أوجب الغسل. عند الإمام الشافعي المني أصل بني آدم ليس نجسا لكن خروجه يوجب الغسل لا ينقض الوضوء. Le sperme selon l'imam Shafi'i, il n'est pas impur. C'est l'origine de l'être humain et l'être humain il est pur, alors son origine est pure. Mais la sortie du mani rend obligatoire la douche. Il faut faire la grande ablution. Mais ça n'annule pas le wudu pour lui, mais ça nécessite la grande ablution qui est al-ghusl. الشيء الثاني, la deuxième chose qui annule le wudu, الشيء الثاني, الغيبوبة العقل بنوم أو جنون أو إغماء. Alors la deuxième chose qui annule le wudu, le fait de perdre raison par le sommeil, par la folie, par l'évanouissement. إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض, sauf celui qui dort en ayant le postérieur bien posé, bien collé vers la terre, et il se réveille sur cet état, puisque dans cet état il est en sécurité, il sait que le gaz ne sort pas de cette manière-là, avec cette assise, alors son wudu n'est pas annulé. إذا من نام وكان ممكنا مقعدته من الأرض بحيث يأمن خروج الريح فهذا النوم لا ينقض الوضوء. ورد في الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون المغرب ثم ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم, يعني ينامون جلوسا, ينامون تخفق رؤوس ثم يصلون ولا يتوضؤون. موطأ Imam Malik a rapporté que les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام faisaient la prière de المغرب avec le prophète alayhi salatu wasalam. Puis après, il s'asseyait dans la mosquée en train d'attendre l'Isha. Et que des fois, il dormait, les têtes baissées, dormait, mais tout en ayant le postérieur bien collé par terre, d'une manière qu'il assure qu'il n'y a rien qui sort dans cet état, alors le wudu n'est pas annulé. Et les compagnons, ils dormaient dans cet état, et après ils se lèvent et ils prient sans refaire le wudu. والتقاء بشرتي ذكر وأنثى أجنبيين بحيث يعني يشتهيان. Le fait que un homme touche la peau d'une femme ajnabiya, ajnabiya comme la cousine, ajnabiya c'est-à-dire une femme avec laquelle il peut se marier, pas la sœur, pas la mère, pas la tante, pas le maharim. Ajnabiya يعني ليست من المحارم, امرأة حتى ابنة عمه ابنة خاله هذه أجنبية يمكن أن يتزوج بها, غير المحارم, غير المحارم. فإن مسها مع بلوغ حد تشتهى فيه فهذا ناقض للوضوء. S'il touche la peau d'une femme ajnabiya qui est désirable, alors ça annule le wudu pour les deux, pour l'homme et pour la femme. سواء مس عمدا أم غير عمد, qu'il a touché volontairement ou involontairement, ça annule le wudu. هكذا مذهب الشافعي, مس مشرة الأجنبية ناقض مع يعني مع إن كانت le fait de toucher sans intermédiaire une femme qui est désirable, ça annule le wudu pour les deux. Abu Hanifa عنده هذا لا ينقض. Le fait de toucher la peau d'une femme ajnabiya selon Abu Hanifa n'annule pas. أما الإمام مالك رضي الله عنه فالمسألة عنده خلافية, مش خلافية قصدي, فيها تفصيل. إذا مس مع مع الشهوة أو وجدها, إذا قصد الشهوة أو وجدها انتقض وضوءه. Alors selon l'imam Shafi'i, selon l'imam Malik, le fait de toucher la femme
la peau d'une femme ajnabiya. En ayant l'intention de trouver le plaisir, ou il a trouvé le plaisir, même s'il ne l'a pas cherché, ça annule. Alors il reste un cas qu'il a touché sans l'intention de trouver le plaisir, et il ne l'a pas trouvé, ça n'annule pas. Et dans l'imam Malik, man massa امرأة أجنبية كالزوجة مثلا هنا الزوجة في الحكم يعني تدخل يعني هي لا تحرم عليه لكن هي إيش إنه إذا مسها إن لم يقصد اللذة ولا وجدها لم ينتقض إذا قصدها أو وجدها انتقض وضوءه فلا ينقض عند الإمام الشافعي بمس الشعر والسن والظفر s'il touche les cheveux d'une femme ou les ongles d'une femme ou les dents d'une femme, ça n'annule pas. ليس معناه يجوز مس الشعر أو الظفر. On ne dit pas qu'il a le droit de toucher quelque chose de la femme. Il n'a pas le droit de toucher quelque chose. Mais ça ne rentre pas avec la peau, le fait de toucher les cheveux et les dents et les ongles. ولا ينقض أيضا امرأة مست صبيا صغيرا لا يشتهى أو رجل مس بنتا صغيرا لا تشتهى. Ça n'annule pas qu'un homme touche une petite fille qui n'est pas désirable ou une femme touche un petit enfant qui n'est pas désirable. Ça n'annule pas l'oudou. Voilà le mas bihail, voilà le mas bisil a touché avec intermédiaire, ça n'annule pas. Voilà le mas maharim, s'il embrasse sa mère ou sa sœur, ça n'annule pas l'oudou non plus. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبوره ببطن الكف. La quatrième chose qui annule, c'est le fait de toucher l'organe génital par l'intérieur des mains, par l'intérieur des mains, c'est-à-dire ce qui est caché de tes paumes avec l'intérieur des doigts. Lorsque tu prends les deux mains et tu presses, tout ce qui est caché, ça rentre dans l'intérieur et le pouce est là sans jugement de faire comme ça. Ça veut dire les bouts et les côtés ne rentrent pas dans l'intérieur. معناه لو مس بالأطراف أو الجوانب الأصابع أو الأطراف لا ينقض إنما إذا مس ببطن الكف فرج الآدمي ذكر أو أنثى كبير أو صغير من نفسه أو من غيره حي أو ميت. Le fait de toucher l'organe génital par l'intérieur des mains, qu'il soit homme ou femme, grand ou petit, vivant ou mort, de lui ou de quelqu'un d'autre, ça annule. Les hadiths. من مس ذكره فليتوضأ. Celui qui touche son organe génital, qu'il refait à l'oudou. حلقة الدبر قال الشافعي مسها ناقض بالقياس. الشافعي a dit que le fait de toucher l'anus, la sortie vraiment, le manfath, alors il a dit ça annule. Il a dit ça par analogie, c'est-à-dire son effort. C'est pas un hadith à ce sujet, mais c'est un effort que lui, par comparaison avec l'organe génital. يبقى أيضا الحكم الماء القليل والماء الكثير. Il nous reste encore un chapitre au sujet l'eau, la grande quantité et la petite quantité. La grande quantité selon l'imam Shafi'i, deux jars qui sont connus à cette époque, c'est 192 litres à peu près. Deux jars et plus, c'est la grande quantité. الماء الكثير مقدار قلتان أو جرة كبيرة كانت معروفة في ذلك الزمن تقريبا 192 لتر بالحفرة. حفرة طولها وعرضها وعمقها ذراع وربع. اعمل حساباتك تطلع تقريبا 192 لتر. سي ان ترو كوبيك دون لونغور لارجور ايبيسور ووتر سي ان كود ان كودي ايكار. alors ça va donner à peu près 192 litres. 192 litres et plus, c'est la grande quantité. Moins que ça, 180, 150, 100 litres, c'est la petite quantité. Pourquoi on a dit ça? L'islam a dit, le maou le kathir, 192 litres et ma fauk. Hufra, touloua wa arduwa wa anqwa, zira'a wa ruba. القليل ما كان أقل من ذلك 180 لتر مثلا 150 110 لتر واحد هذا ماء قليل. الماء القليل تنجس بملاقات النجاسة التي لا يعفى عنها تغير أو لم يتغير. La petite quantité d'eau est altérée par l'impureté et que l'eau a subi de changement ou il n'a pas subi de changement, l'eau devient impure s'il y a une goutte d'urine, s'il y a
une goutte d'alcool, même si l'eau n'a pas subi de changement, c'est la petite quantité. شو الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. C'est-à-dire si on a l'eau dans la grande quantité d'eau qulla, il n'est pas enterré par l'impureté. C'est-à-dire tant qu'il n'a pas subi de changement. معناه ما لم يتغير. لما قال إذا بلغ الماء قلتين معناه إذا لم يبلغ ووقعت فيه نجاسة تنجس تغير أم لم يتغير. أما الماء الكثير tandis que la grande quantité d'eau, tant que l'eau n'a pas subi de changement, c'est de l'eau pure et purificatrice, comme on dit 200 litres, 1000 litres, 10 000 et plus. Tant que l'eau n'a pas eu de changement, c'est de l'eau pure et purificatrice. Al-ma'u al-kathir, huwa al-ma' alladhi huwa fawqa qullatayn wa ma fawq, 192 litres wa ma fawq, 1000 litres kathir, 10,000 kathir, مليون لتر كثير 200 لتر كثير هذا كثير إذا وقعت فيه النجاسة لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو تغير باللون والطعم والريح. La grande quantité d'eau c'est elle est toujours pure et purificatrice même s'il a eu de l'impureté dedans tant qu'il n'a pas subi de changement. S'il a subi de changement c'est impur, qu'il change par la couleur ou par l'odeur ou par le goût ou les trois en même temps, alors on dit c'est de l'eau impure. Idhan, idha taghayyara tanajjas wa illam yataghayyar lam yatanajjas. Hala ahyanan yahsul fi al-bil ba'd al-bilad hayth turq masarif al-miyah an-najisa yarmunaha fi al-bahr. Dans certains pays, les égouts, l'eau impure passe dans l'eau de la mer et tu trouves l'eau sur par exemple 2000 mètres sur 200 mètres ou 100 mètres à l'intérieur de la mer, il a un changement, il a une couleur différente. Alors cet endroit qui est altéré par un najasa et qui a eu un changement, il est impur, tout le reste n'est pas impur. ولو ما كثير لكن هذا الماء الكثير تغير فالموضع الذي تغير الماء بالنجاسة نجس الموضع الآخر الذي لم يتغير فهو طاهر. L'endroit qui a été altéré, qui a subi un changement par l'impureté, alors il est impur. Les autres qui n'ont pas été changés, c'est pas impur. أحيانا تأتي عاصفة وأمواج عاتية فكل هذا التغير يذهب يتغير هذا الماء يصير في جوف البحر ويأتي ماء آخر نظيف ليس متغير فإذا هذا الماء النظيف الآن هنا طاهر. Des fois, il y a des tempêtes qui arrivent, des grandes vagues, et tout l'eau qui était impure, il disparaît et il y aura un autre, de l'autre eau qui vient, qui arrive et qui est pure, en bon état. Alors, c'est pur. Avant, il y avait de l'impureté, mais maintenant, il n'y a pas et c'est de l'eau pure. Alors, il est pur et purificatrice. طيب, alors, ماذا بقي لنا من المسائل أن الماء المستعمل والماء المتغير بالطاهرات إنه غاز دو كيستيون أو سوجي دو لو لو كي a été utilisé. Par exemple, j'ai fait le wudu et j'ai ramassé l'eau. J'ai fait la douche de l'janaba et j'ai ramassé l'eau. Alors c'est de l'eau pure mais non purificatrice. إنسان توضأ وجمع الماء. إنسان اغتسل من الجنابة وجمع الماء. هذا الماء مستعمل طاهر غير مطهر طاهر غير مطهر. المستعمل ليس الماء الذي غسلت فيه الصحون مثلا أردت أن تعيد غسلها. المستعمل هو الذي رفع به حدث أو أزيل به نجس ولم يتغير بالنجاسة ولا زاد وزنه. L'eau utilisée c'est l'eau qu'on a utilisée pour la grande ablution, pour la petite ablution, ou par exemple on a lavé de l'impureté par jugement. Ou استعملنا في إزالة نجاسة حكمية. استعملناه وأجريناه على موضع كان عليه نجاسة. ففي الحكم أن هنا نجاسة حكمية. فإذا الماء النازل طاهر غير مطهر. L'eau qu'on a utilisée pour l'endroit qui a été touché par l'impureté, il y a rien. L'eau elle est pure mais non purificatrice. بقيت مسألة. Il reste une question. الماء المتغير
بالطاهرات, l'eau qui a subi de changement par une substance comme le lait, comme le sucre, comme le miel, comme l'eau de rose, ainsi de suite. نقول إذا تغير الماء بحيث سلب عنه اسم الماء, تغير الماء بحيث سلب عنه اسم الماء, صار بتقول مي وعسل, بتقول ماء وورد, ماء وزهر, ماء وشاي, إذا سلب عنه اسم الماء لا يصلح للطهارة, هو طاهر لكن غير مطهر. Si l'eau a eu un changement par une impureté pure, par une substance pure, comme le thé, comme le lait, comme le miel, comme le sucre, comme le vinaigre, ainsi de suite. Et le changement était un peu important, d'une manière qu'on ne peut pas dire c'est de l'eau. Tu dis c'est de l'eau avec l'eau de rose, c'est de l'eau avec le vinaigre, c'est de l'eau avec le sucre. Alors c'est eau pure mais non purificatrice. On ne peut pas faire l'eau d'eau avec ça, on ne peut pas enlever l'impureté avec ça. أما الماء الذي تغير بما لا يمكن صون الماء عنه, tandis que l'eau qui a eu un changement par quelque chose qu'on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. Pourquoi? Parce que l'eau passe par le forêt, il y a beaucoup des feuilles, des arbres qui tombent et l'eau devient noire. Alors c'est de l'eau pure et purificatrice. Pourquoi? Parce que le changement ici, on ne peut pas l'éviter. لا يمكن صون الماء عن هذا, عن هذه الأوراق التي تسقط فتغير. Et des fois, il y a de l'eau qui est stagnante, stagnante. Après, il y a des algues et l'eau a changement. Il a un changement. Il est devenu vert. Et là, le goût a changé parce que ça fait un moment qu'il est stagnante. C'est de l'eau pure et purificatrice. إذا الماء الذي تغير بسبب المكث فطلع عليه تحلب صار لونه أخضر كذا, أو الماء الذي وقعت فيه ورق الشجر, أو المقره فيه معدن كالكبريت, أو il y a un métal là où l'eau sort, il sort jaune parce qu'il y a un métal, il y a du soufre, il y a zernir, il y a certaines choses, et ce tout sort de la terre jaune. Et il a une odeur différente, couleur différente. C'est de l'eau pure et purificatrice. Parce que c'est un changement que nous, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. إذن الماء الجاري, الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة, وهذا الماء بعد ذلك لا يرى عليه تغير مثلا, يعني ما أثرت عليه, فهو طاهر. Si il y a de l'eau qui coule, il y a une impureté qui est tombée dedans, mais ça n'a pas changé l'eau. Tu vois, même si on dit mais chaque vague, c'est pas de qulla, mais par la suite, hein, par la suite là, lorsqu'il passe, tu vois, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'eau qui passe. Alors on ne dit pas qu'après cette eau est impure. هذا فيما يتعلق بأحكام نواقض الوضوء وطهورية الماء. وأنتم تعرفون أن الماء طهوريته لا بد منها لصحة الوضوء, لصحة الصلاة, لصحة إزالة النجاسة. Alors il faut vérifier que c'est de l'eau pure et purificatrice pour enlever l'impureté, pour faire le wudu, pour faire la douche obligatoire. لأن الطهارة مفتاح الصلاة, parce que la purification est la clé pour la prière. Si la purification n'est pas valable, la prière n'est pas valable. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. هلا بعضهم قال الإيمان المراد بها الصلاة, والشطر بمعنى الجزء, فإذا الطهور جزء من هذه الصلاة. Alors الإيمان ça a été dit dans le Coran, et ce qui est voulu par l'Iman c'est la prière dans certaines ayats. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم, c'est-à-dire votre prière que vous avez fait en se dirigeant vers Jérusalem n'était pas vaine, parce que c'était quelque chose par ordre de Dieu Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala a nommé dans le Coran As-salat, il l'a nommé Iman pour dire
Quelle grande adoration, quelle grande obligation. Et wa fil hadith at-tuhur wa shatr al-iman, la purification est une partie de la prière. Si la purification n'est pas valable, alors la prière n'est pas valable. Et pour dire que ce hadith montre qu'il y a une grande récompense dans la purification. Aydan hadha yufham minhu an fi fi'li al-wudu' fi fi'li al-ghusl fi'li at-tahara fihi thawab 'azim fihi thawab kabir fihi thawab 'azim. Qala 'alayhi as-salatu was-salam man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui a fait la purification d'une manière complète, al-wudu d'une manière complète, et il a fait la prière d'une manière complète, ses petits péchés qu'il a fait auparavant seront effacés. Al-Nabi alayhi salatu wa salam samma tarka as-salati kufran. Le prophète alayhi salatu wa salam a nommé le délaissement de la prière mécréance. Qal bayna al-'abd wa bayna al-kufr aw ash-shirk tarku as-salah. Le fait de délaisser la prière, il a nommé mécréance, kufr. فبعض العلماء حملوه على الظاهر. Certains savants, ils ont pris le hadith selon l'apparence, on dit celui qui délaisse la prière a mécru. شفت الخطر رأيت الخطر أن ترك الصلاة بعض العلماء بعض العلماء الكبار المجتهدين عم نحكي عن أئمة مجتهدين. On parle des imams jurisconsultes. Ibrahim al-Nakhai, Ayyub al-Sukhtiani, un avis de l'imam Ahmed, Sayyidina Omar Mukhattab, yakul, la dina liman la salata la, la dina liman la salata la, pas de religion pour celui qui ne prie pas. Ça veut dire l'apparence de la parole de Sayyidina Omar que pour lui, celui qui ne prie pas, il a mécru. La majorité des savants de l'islam ont dit celui qui n'a pas prié, qui ne prie pas, il est proche de la mécréance, il est dans un grand péché proche de la mécréance. Et donc, أكثر العلماء قالوا تارك الصلاة على خطر عظيم قريب من الكفر من أفسق الفاسقين. والفقهاء بيتكلموا شو حكم تارك الصلاة. في فقهاء بيقولوا يقتل. Faites attention, la prière, Imaduddin man aqamaha aqamaddin, celui qui fait la prière, c'est la grande obligation après l'iman. Celui qui a fait la prière et la prière est acceptée de lui, aflaha wa anjah. Man idha qubilat minhu as-salat idha qubilat minhu aflaha wa anjah wa in lam tuqbal khaba wa khasir. Khaba wa khasir. Fa nahna ma bda nkun min al-kha'ibin wa la nuridu an nakuna min al-khasirin. On veut pas qu'on soit parmi ceux qui subissent l'échec, on ne veut pas qu'on soit parmi les perdants. Nuridu wa nuhibbu wa nad'u Allah wa narjuhu an namuta 'ala al-iman muqimi as-salah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous cherchons, nous voulons, nous souhaitons et on implore notre Seigneur qu'on meure en ayant la foi avec l'iman. Et ça demande de notre part le fait de chercher à savoir, à apprendre la religion, à bien prier. Mais il y a un homme qui dit l'a'mal bin niyat, khalas, ana binoui, psalli kif man kan. Ce ne suffit pas de dire l'intention suffit, les actes dépendent de l'intention. Il faut apprendre comment prier. Il faut apprendre comment prier. Qala alayhi salatu wassalam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Alors, ça, inshallah, demain, dans les leçons précédentes, on va parler de la prière. Allahumma ya wali al-islam wa ahli, thabbitna ala al-islam hatta nalqaka bih, wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa salih a'malina wa akhtim lana bil husna innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.